Salut à vous tous, bienvenue sur CCINFO 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne, vous pouvez y aller sur ceci-info91+subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne ceci-info91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne ceci-info91 YouTube, sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les sept merveilles du monde antique à la pyramide de Khéops, partie 5. Le complexe funéraire de Khéops, partie 1. Introduction. Le complexe funéraire de Khéops est un monument religieux érigé à Gis par les Égyptiens de l'Ancien Empire pour assurer l'immortalité du pharaon Khéops, 4e dynastie. Composé d'un temple funéraire, de pyramides subsidiaires et d'annexes, fosses à barques, le complexe est dominé par un tombeau en forme de pyramide. Celle-ci est la plus grande des pyramides d'Égypte qui fut, jusqu'au début du XXe siècle, le plus volumineux et le plus massif monument jamais construit. Elle a détenu le record de la hauteur durant 4000 ans et fut considérée, depuis au moins 2000 ans, comme une des sept merveilles du monde. Le complexe est situé au sein d'une nécropole de fonctionnaires contemporains de Khéops. Utilisée comme carrière de pierre au moins dès le Moyen Empire, la pyramide a perdu son revêtement en calcaire et son temple est aujourd'hui complètement démantelé. La pyramide de Khéops fait partie d'un complexe plus large, constitué d'un temple funéraire en deux parties, une basse appelée Temple de la Vallée et une partie haute située à proximité de la pyramide, ces deux parties étant reliées par une chaussée servant de galerie de communication, d'un ensemble composé de la pyramide de Khéops, de trois pyramides de Rennes, d'une pyramide satellite, sein d'une muraille, reliée à la galerie de communication par l'intermédiaire de la partie haute du temple. De celui-ci il ne subsiste qu'une partie du pavement basalte d'une grande cour à ciel ouvert qui occupait l'essentiel du temple. De multiples mastabas regroupés en trois cimetières ou villes de mastabas situées à l'orient derrière les pyramides des reines, au sud de la grande pyramide et à l'occident de la pyramide du roi, dans le désert. Avec la pyramide de Khéops, deux autres pyramides à face lisse, les pyramides de Khéphren et de Mykérino dominent le plateau de Gise. Deux barques solaires du pharaon Khéops furent découvertes en pièces détachées au fond d'une fosse. L'une d'entre elles a été réassemblée et est actuellement conservée au musée de la barque solaire, à proximité de la pyramide. Pyramide de Khéops partie 1. Aspect général base de la pyramide, sud égale à 230,454 mètres, nord égale à 230,253 mètres, ouest égale à 230,357 mètres, et égale à 230,394 mètres, hauteur initiale. 146,58 mètres, aujourd'hui 137 mètres carrés, périmètre. 922 mètres, surface. 53,056 mètres carrés, volume. 2,592,341 mètres cubes, masse. 5 millions de tonnes carrées, orientation, face orientée sur les quatre points cardinaux, erreur,
De moins de 3 pieds, masse par bloc, chaque bloc de pierre calcaire polie pèse en moyenne 2,5 t, la pyramide de Khéo a bénéficié, pour son érection, des développements et des innovations techniques des pyramides de son père Snéfrou et d'Achour. Elle ne semble avoir subi aucun changement de plan à l'extérieur. Ce point est par contre sujet à discussions en ce qui concerne l'intérieur du monument. Deux écoles s'affrontent, il y a les partisans d'un projet unique et les partisans de trois projets successifs. Il semble que l'architecte en fut le vizir Eniounou. Chambre et couloir de la pyramide de Khéo. La distribution des chambres et couloirs de la pyramide de Khéo est, du point de vue architectural, absolument originale et innovante. La voûte en chevron est utilisée pour la première fois et à trois reprises, et la construction de la grande galerie établit le record de la plus grande longueur de voûte en encorbellement jamais réalisée. Coupe interactive de la pyramide 1. L'entrée 2. La percée d'Al-Mamoun 3. La sable de liaison des couloirs descendant et ascendant 4. Le couloir descendant 5. La chambre souterraine inachevée 6. Le couloir ascendant 7. La chambre de la reine et les conduites de ventilation 8. Le couloir horizontal 9. La grande galerie 10. La chambre du roi 11. La chambre des herses 12. Le boyau ou puits de service. En résumé, voici d'abord, en résumé, comment se présente la distribution interne de la pyramide. Depuis l'entrée, un couloir descendant de 105 mètres conduit à la chambre souterraine creusée dans la masse rocheuse, un couloir ascendant de 40 mètres, s'embranchant sur le précédent par le plafond, aboutit, au bas de la grande galerie, à l'embranchement du couloir horizontal de 38 mètres qui mène à la chambre de la reine. La grande galerie, longue de 47 mètres, conduit à la chambre du roi, par l'intermédiaire de la chambre des herses. À cela s'ajoute un très long puits ou boyau de service de 58 mètres, très étroit, qui mène verticalement du bas de la grande galerie au bas du couloir descendant. L'entrée de la pyramide. L'entrée d'origine, chevron, linteau. L'entrée de la pyramide présente aujourd'hui l'aspect d'une immense brèche couverte de chevrons énormes, située sur la face nord, le sol à hauteur de la 15e assise, culminant à hauteur de la 32e et désaxé de 7 mètres vers l'est. La pierre amovible tenant lieu de porte. Le géographe grec Strabon, qui visita l'Égypte du temps d'Auguste, mentionne l'existence d'une pierre amovible dans le parement extérieur. Cette pierre qui peut s'enlever, et, qui une fois enlevée, laisse voir l'entrée d'une galerie tortueuse ou syringe, aboutissant au tombeau 4, depuis longtemps disparu, et sans doute à rapprocher des vestiges du dispositif, gonds horizontaux, encastrement dans le plafond, visible à l'entrée nord de la pyramide de Dachour Sud, rhomboïdale. Il n'en subsiste à Gize aucune trace, puisque de nombreuses pierres de l'entrée ont été enlevées, probablement au Moyen Âge, de toute évidence pour vérifier si cette structure gigantesque ne recelait aucun autre couloir ou cavité. Les chevrons de l'entrée, doublés en hauteur, sont les premiers connus dans l'histoire de l'architecture. Ce sont des monolithes de calcaire qui, selon toute apparence, ne jouent ici qu'un rôle de décharge, comme ceux de la chambre du roi, et non vraiment de couverture, comme ceux de la chambre de la reine. Ils sont constitués d'éléments monolithes pesant chacun une dizaine de tonnes. Le principe de la couverture en chevron, ayant sans doute donné satisfaction dès cette première expérience, sera repris aussitôt, si l'on admet que la construction de la pyramide s'est effectuée par couche horizontale, dans la chambre de la reine, située juste au même niveau, puis un peu plus tard dans la chambre du roi, puis dans nombre de pyramides à venir. Sur le bord supérieur ouest se trouve une inscription hiéroglyphique presque disparue, datant du 19e siècle et exécutée par l'égyptologue allemand Karl Richard Lepsius en hommage au roi de Prusse Frédéric Guillaume IV, dénommé pour l'occasion roi de Haute et Basse Égypte, fils de Ré, doué de vie éternellement. Ensuite, et jusqu'à nos jours, on n'aura plus guère recours à cette technique de couverture titanesque. Hors d'Égypte, on en relève un autre exemple en mer Égée, le monument connu sous le nom d'Éantre du Sainte, situé au pied du mont Quinto, sur l'île de Délos, et couvert de lourds chevrons de pierre, probablement à l'imitation des monuments égyptiens. Les linteaux trois dalles successives dressées presque à la verticale forment une série de linteaux surplombant l'entrée. Ils ne mesurent pas moins de 3,70 mètres de large, 2,70 mètres de haut et 0,90 mètres d'épaisseur, ce qui en fait des monolithes de 20 à 25 tonnes, hissés au niveau de la 15e assise. Tels qu'ils sont,
Ces linteaux paraissent très surdimensionnés pour ne protéger que les trois couloirs descendant larges de 1,05 m et hauts de 1,20 m. On peut s'étonner que les explorateurs de la pyramide s'en soient tenus là dans leurs investigations concernant l'entrée, mais c'est un fait, une fois la porte arrachée, et avec elle les premiers éléments des chevrons et les pierres de l'entrée, jamais personne n'a pu soulever ou percer ces énormes dalles verticales situées sous les chevrons, au-dessus du couloir. Pour l'anecdote, leur face la plus visible fut ornée par des membres de l'expédition d'Égypte d'une pensée, orthographe d'époque, empruntée à l'abbé Jacques Delille. Leur masse indestructible a fatigué le temps, Delille, Jardin, 1782. Percée d'Al-Mamoun, cette entrée secondaire est connue de tous les visiteurs actuels, puisque c'est par elle qu'on pénètre normalement de nos jours. Elle est attribuée au calife Al-Mamoun, début du X siècle. Cette trouée est d'un grand intérêt pour les observateurs, puisqu'elle révèle, sur plus de 30 mètres, la structure interne brute de la pyramide, d'abord la maçonnerie noble, puis, en profondeur, un remplissage beaucoup plus grossier. Depuis l'orifice, situé juste dans l'axe de la pyramide, on traverse ainsi cette couche de maçonnerie de pierres énormes appartenant au 6e et 7e assises, du type de toute la maçonnerie soignée de calcaire numulitique visible de l'extérieur de la pyramide. Puis on atteint la zone du libage, où les blocs sont de forme moins définie, d'aspect plus ou moins ovoïde ou cyclopéen, avec des interstices pouvant atteindre 10 à 15 cm. Le sol est aplani et le plafond lui-même apparaît assez bien horizontal. La course se termine par un virage à gauche pour rejoindre le couloir ascendant. Au total, le tunnel atteint une longueur d'environ 35 mètres. La progression, entièrement à l'horizontale, est facile, on se tient debout sans difficulté et la qualité de l'air est encore très acceptable. La percée d'Al-Mamoun est mentionnée dans la description de l'Égypte de l'expédition de Bonaparte par le dessinateur Dominique Vivant de Non, sans l'appeler ainsi mais couloir inachevé creusé à l'horizontale par les pillards. Obstruée, elle ne débouchait plus à l'extérieur à cette époque. Son débouché intérieur sur le couloir ascendant, au niveau des blocs bouchons, a été aperçu et étudié par de Non et l'équipe des savants français après être passé par la descenderie. Sable de liaison des couloirs descendants et ascendants pour accéder aux appartements supérieurs, ces savants empruntèrent donc forcément une très ancienne sable quasi verticale remontant probablement au premier pilleur de tombe, qui relie, de manière très abrupte, le couloir descendant au couloir ascendant, en contournant les trois blocs bouchons. C'était, avant la percée d'Al-Mamoun, et durant la période de son oubli, le seul accès au couloir ascendant. Conduit d'origine, modifier le code, le couloir descendant ou descendrie depuis l'entrée de la pyramide, le cheminement de 105 mètres ou 200 coudées, appelé la descenderie, n'est pas particulièrement aisé, il faut parcourir un couloir d'une hauteur sous plafond de 1,205 mètres et de largeur 1,05 mètres en descente de 26 degrés, soit une pente de 1,2, sur la quasi-totalité de la longueur. Il se divise en deux sections, le couloir descendant, maçonné, long de 62 coudées, 48 coudées de l'extérieur jusqu'à la jonction du couloir ascendant de 2 coudées de largeur, puis 12 coudées, et la syringe, longue de 138 coudées, creusée dans le roc, 8 coudées creusées depuis le socle rocheux ou pivot au-dessus du niveau 0, puis 130 coudées depuis le niveau 0, descendant vers le couloir nord qui mène au local souterrain. Cheminement maçonné à partir de l'entrée d'origine normalement au niveau du parement de la pyramide, plus loin de la grille de fermeture actuelle, la descente inclinée d'un angle de 26 degrés 26 minutes, 46 secondes ayant une pente de 50%, commence par 25,20 mètres, 48 coudées, de couloirs descendants revêtus de toutes parts de calcaire fin blanc de Toura. Puis, juste après l'embranchement de 1,05 mètres, 2 coudées, du couloir ascendant, jonction par le plafond, à travers lequel on voit la face nord la plus avancée du bloc bouchon de granit, l'ouvrage de maçonnerie continue sur 6,3 mètres, 12 coudées, avant d'entamer la syringe creusée de 4,20 mètres, 8 coudées, jusqu'au niveau 0, pivot naturel du socle rocheux, puis 68,25 mètres, 130 coudées, pour atteindre le couloir nord à la profondeur de 30,45 mètres, 58 coudées. Cheminement dans la masse rocheuse, il laisse place à un cheminement de même section et de même pente, encore plus monotone, puisque cette fois percé tout d'un bloc à travers la masse rocheuse du plateau de Gise,
sur une longueur de 72,45 mètres, 138 coudées. On peut tout au plus remarquer quelques fissures dans la roche. Après 8,925 mètres, 17 coudées, du couloir nord-horizontal du local souterrain, le visiteur, arrivé à destination, peut enfin se redresser. Note. La syringe est une immense galerie décorée de sculptures et de peintures admirables décrivant la splendeur de l'Empire des Pharaons. Fin du podcast, à suivre. J'espère que cette écoute vous a plu, bye bye, à la prochaine, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne, je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.